Eh ben, la journée commence bien par ce joli petit ruisseau. Eh ben, petit copain, ça cascade sec ici, hein. T'as vu ça? Regarde-moi ça. Oui, hein, c'est quelque chose. Hein. Ah, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Le Dieu, tu vois. Eh bien, j'ai habité là autrefois. Le moulin Noiset, vallée de misère. On était bien là avec mes fils. À l'époque, ma femme, mon petit chat Ivona, c'est la belle ville. Hein. Voilà ce qu'il y a en contrebas de ce moulin Noiset. Donc ça, c'était l'eau qui amenait justement cette force, cette énergie au moulin d'autrefois. Mais là, je monte dans les bois qui sont parallèles au moulin. Bon, je vais laisser tomber les trails, ça me fait chier, les trucs conventionnels. Je vais plutôt prendre un petit sentier par là. Je risque de mieux m'amuser quand même. Oh putain, ça sent le champipi, là, le champignon, là, les copains. Bon, ben là, je suis au-dessus du moulin Noiset. Hein. Il y a le petit bâtiment qui est sur le côté, là. Et puis là, on a l'étang qui est au-dessus du moulin. Hein. Le moulin est en contrebas. Il y avait une roue à aube hein, dans le temps. Ben, c'est vraiment une chouette rando au pays de mes souvenirs. Alors en plus, comme d'hab, ben, je me régale. Il faut dire qu'il est tôt. Hein. Il est 8h30. Franchement, elle est pas belle la vie quand tu vois ça. Là, je remonte et ce qui est génial, c'est que, enfin, moi je trouve ça génial, c'est que le ruisseau il coule au milieu du chemin. Regarde ça. Tu vois? Ben, ça monte encore, je vais arriver sur le plateau. Là. Je pense, parce que bon, je me souviens plus très bien, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Je pense que je vais arriver au couvent. Bon ben voilà, je suis arrivé sur le plateau là. Bon là, je suis au bout du bout. Ah ben oui, voilà le couvent les copains. Voilà le couvent. Enfin, ce qu'il en reste. Eh oui. C'était quelque chose, ça. Hein. Un couvent de bonnes sœurs.